On va passer sur la Deadpool. Enfin, je l'ai. La V1. En plus, au prix que je l'ai trouvé, c'est fou, quoi. C'est insolent, même. Ah, je suis content. Bon, après, elle a un petit peu de pète, hein, bien sûr. Elle a été portée. Mais c'est incroyable, ce gradient raid. Ouais, c'est ça, gradient raid. On a un YouTuber qui avait fait une vidéo de cette paire, là. C'était sa première TN. Et ouais, franchement, elle donne beaucoup mieux en vrai que en vidéo, quoi. C'est incroyable. Elle est vraiment magique. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'infrarouge que c'est. On n'est pas sur du rouge, hein. On est sur de l'infrarouge. Hein. Le dégradé de malade. Là, c'est trop beau avec, avec le jour, là. Oh, j'ai tellement hâte de la mettre, celle-là. Avec un beau petit sweat Deadpool. Ce serait génial. Oh, magnifique. Oh là 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 là. J'ai été moins fan de la Deadpool 2.0 qu'ils ont fait récemment, qui était avec, avec une matière réfléchissante. Et du coup, trouver la une, c'est quand même quelque chose. Quelque chose de... Ouais, parce qu'elle est quand même sortie en 2020 déjà. Donc, c'est quand même pas mal de la trouver à ce prix-là. De toute façon, moi, j'essaie toujours de copier mes paires à moins de 100. Il n'y a pas photo. C'est les prix les plus raisonnables pour moi. Je peux pas mettre plus. C'est hors de question. Ensuite, on a la gradiente... je sais plus. Gradiente orange. Hein. Une de mes préférées. J'ai hâte qu'ils sortent la OG bientôt. Là. Tiens, tu veux l'essayer? Allez, vas-y. Ah, c'est du 42,5 peut-être celle-là. Elle est un peu serrée pour toi. Vas-y. On a aussi la Volcano. Regardez-moi ça. Celle-là aussi, hein, j'avais de l'œil dessus depuis un petit moment. Celle-là et la Deadpool, c'était des masterclass pour moi. Incroyable. Oh, elle peut bien, hein, elles peuvent se smatcher ensemble. Hein, essaye-moi voir. Ça peut aller très très bien ensemble, ça. Carrément. Ah ouais, carrément. Oh oh là 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 là. La team orange. La team orange. Ouh, le coucher de soleil et le volcan réunis, c'est quand même quelque chose. Oh là 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 là. Non, elles sont canons. J'espère vous kiffez les copains. En plus, cette nouvelle chaîne est pour vous. Je me suis un peu expatrié d'une autre chaîne qui a fermé. Et j'espère qu'on aura autant de vues qu'avant. On va passer sur la Halloween. Très 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 rare maintenant celle-là aussi. Sortie en 2020. Ouais, j'ai vraiment été très team orange moi. C'est vraiment mon péché mignon. Celle-là, je l'ai bien portée aussi. Mais elle est quand même en très très bon état, je suis content. Oh là, je la vois bien avec celle-là. Oh là, celle-là. Regarde, gris-gris là. Pff, oh là 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 là. Celle-là, elle est dure à enfiler. Hein. C'est la fameuse utility de Drake. Qui ont repris exactement le modèle de Drake. Et moi, j'ai flashé vraiment pour le gris. Elle existe en noir, en métallique. Oh là 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 là. Wow, ça tue. Oh là là. Purée, ça tue. Oh, les matières en plus, ils ont mis du daim ici. C'est quand même quelque chose. Oh là là. Oh, et puis c'est lassage quand même. C'est quelque chose. Hein. En plus, il faut savoir qu'il brille. Ça, c'est un petit détail qui tue. C'est réfléchissant là, au niveau des petits points. Là. Et puis même là, je crois que c'est réfléchissant, si je dis pas de bêtises. Tous les palmiers. Hein. Sont réfléchissants, plus la partie qu'on connaît. Oh là 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 là. Oh. Puis celle-là, ça y est, elle est en quasi-rupture, hein, ça y est. Hein. Elle part à des prix de 200, facile, hein, la utility. Je crois qu'il en reste encore un peu dans d'autres couleurs, mais elle part vite, celle-là. Ah, mon cadeau de fête des papas. Elle est toujours dans son pur jus.
Ah, quand je pense que j'avais une fake quand j'ai commencé ma carrière et maintenant j'ai la vraie. Ouais, c'est deux modèles que j'adore. Mais je vais te faire porter celle-là, ça ira mieux. Regarde, ça va aller trop bien ensemble. Là, on est sur deux modèles un peu différents. Alors là, on est sur le modèle Ultra. Voilà, Ultra Mercurial, je crois. Ouais, c'est ça. En plus, on est sur une version sample. Alors, elle est quasi rare. Voilà, un sample. Donc, elle est unique. Vraiment, un vrai sample avec l'authentification, etc. quoi. Et on est sur. C'est quel modèle ça? Je ne me souviens plus. C'était Big Logo en tout cas. Voilà, avec le Big Logo. Et on est sur une version. Non, pas une version ultra, mais sur une shape différente. Je ne sais plus comment on l'appelle. En tout cas, ils ont fait d'autres modèles comme ça. Bleu, un peu haut. Oh là, ça va bien ensemble. Wow. Ça se smash bien tous les deux. Oh là là. Bon, après, c'est dommage que ça soit pas une version ultra, mais ouais. Mais celle-là, elle irait bien aussi. Tiens, on va enlever celle-là. Je vais te donner la prochaine. Donc, celle-là, j'ai pas la boîte. Elle est vieille, hein, celle-là aussi. Hein. 2017 déjà. Elle commence à avoir de la bouteille. Et elle est vraiment pas trop mal, elle est pas trop abîmée. Hein. Je vais vous montrer la Ultra aussi que j'ai comme ça. Hop là. Une de mes préférées en plus, c'est une OG en Ultra. Ouais, on a un petit peu quand même les semelles qui commencent à crépiter. Hein. Ouais, ça y est. On a un petit peu du craquelage de semelles. Mais ça se porte encore. En plus, toute neuve, dans son jus, incroyable. Et voilà. Ah là 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 là. Pour moi, c'est une masterclass. Elle a pris une valeur phénoménale. C'est une Ultra, la OG Tiger Sunset, appelez-la comme vous voulez. Waouh, incroyable, incroyable. Et puis son côté fuselé là, on se lasse pas, hein, franchement. Ils auraient dû continuer ce modèle, hein, franchement, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose qui innovait sur la TN, franchement. Après, franchement, moi j'aurais vu ce modèle fuselé comme ça là, avec une semelle OG, ça aurait été parfait. Franchement, elle a une gueule phénoménale. Incroyable. Celle-là aussi, hein, commence à avoir de la bouteille. 2017, ouais, c'est ça, 2017. Alors pour les rageux qui pensent que c'est une fake, rien du tout. C'est une OG. Et voilà. Elle a une cote phénoménale sur StockX. Oh là là là. Il y a un petit côté là. Hein. Oh là là. Celle-là, c'est la OG. Je vous l'ai déjà montré. J'ai mis un petit logo Nike là. Oh là là là. J'adore quand on voit ça dans le OG. Il y a un OG bleu qui est sorti, mais j'ai pas pu. Hein. C'est trop là pour moi, j'en ai vraiment trop. C'est un peu compliqué d'avoir une centaine de paires et de pas pouvoir les mettre, c'est très très dur. Oh là là là. Moi, elle me fait trop penser à un Malabar cette chaussure. Le Malabar de notre enfance, vous vous souvenez là? Le bicouleur là. Oh là 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 là. Je me rappelais même pas de cette couleur OG moi. C'est incroyable, magnifique. Oh là là. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un petit côté doré sur le devant là. Ça donne trop bien quoi. Fou, le dégradé, il est fou. Ah, celle-là, je vais la saigner. Faut que je la saigne. Allez. On a celle-là aussi, la Grady, comme je vous ai dit. Toujours sa bicouleur là. Et là, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai enfin mis la main sur une nouvelle Grady. Bah d'ailleurs, je pense qu'ils en ont fait que deux des Grady. Peut-être plus, mais moi, les seules que je connais, c'est la Grady 95 et la Grady TN. Oh là 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 là, canon de ouf, incroyable. Ça se smash trop bien. Oh là 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 là. Ça va trop bien ensemble. Aïe 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 aïe. J'avais pas pensé à les mélanger, cela. Oh purée.
Oh là 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 là. On nous a sorti aussi une pépite là ces derniers temps, la TN Spider-Man. Elle est pas mal du tout, hein. Wow. Alors faut que je vois si je le laisse ici, ça, ou je le mets dans la TN3 Iron Man. On verra. Allez, on enlève. La Grady, c'est une masterclass, hein. En plus, elle commence à dater celle-là aussi, hein. 2018. Oh purée. Au prix que je l'ai trouvé, c'est pas catholique du tout. C'est incroyable. C'est insensé. Bon, t'inquiète, hein, je vais te les ramener. Bon, on est sur de la OG, les copains. Chocolate, je crois, c'est ça? Non. La scarabée, scarabée plutôt. Et ouais, un petit peu chocolate. Pour rappel, je l'ai acheté à mon fils qui craquait sur ce modèle-là. T'as encore le truc, c'est bon? Hop là. Fort, hein. Doucement, doucement, la bim quoi. Par contre, elle a tendance à vite se plier. T'as remarqué ça, toi, dans ta paire? Ça se plie bien. Ça reste une sorte de cuir un peu simili-cuir et du coup, ça s'abîme vite. Hein. Voilà, toujours ces effets. Toujours ces effets de fou là. Oh là 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 là. Waouh. On voit du vert, du diesel, l'essence, tout ce que vous voulez. Incroyable ce modèle. OG, OG, OG Time. Voilà, on était sur du OG Time là, c'était magnifique. J'attends avec impatience les trois masterclass de 2024, qui n'est autre que la Tiger, la Blue et la Violette. Et je pense que je craquerai que sur deux parce que c'est quand même un sacré budget. La 9-3, toujours là, toujours présente. T'as des petites alvéoles enlevées là. Vas-y, hop là. Toujours aussi belle celle-là. Qu'est-ce que je kiffe la porter dans le 9-3. Incroyable cette paire. En plus avec mon beau petit lassage là. Eh, respecte ta paire là toi. Enfile bien. Faut pas que ça plie ici. Faut respecter vos paires les gosses. Team France. Oh là 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 là. Tiens, bah on va rester dans la Team France. On va vous montrer aussi celle-ci. Tadam! La Team Équipe de France. Masterclass celle-là aussi. Hein. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de valeur. Allez, c'est parti. Pas 3 étoiles. Hein? Ouais, dommage, ils ont pas fait. Non, bah non, 2 étoiles. Ouais, si on avait gagné 3 étoiles, elle aurait pris. Bon, elle aurait pris une valeur de malade manteau. Mais peut-être qu'ils nous la chopperont hein, la prochaine coupe. Hein. T'imagines? T'as la paire de l'équipe de France. Elle prend de la valeur, hein, c'est direct, hein, c'est sûr. Incroyable. Oh, les matières, tout est beau sur cette paire. Il y a eu beaucoup de contrefaçons, malheureusement. Donc, je vous dis, faites bien attention. Et elles sont grossières, surtout au niveau du 9-3, c'est très très mal fait. Et puis les barbelés, pareil, hein. Enfin barbelés. C'est plus du grillage, on dira. Ouais, du grillage de foot. D'un synthé ou autre. Ouais, nos différences. Oh là là. Et l'autre côté, c'est quoi? Nos différences. Nos différences nous unissent. Voilà. Ouais, et puis le côté doré là, c'est magnifique. Magnifique. Voyons, j'ai l'impression que j'ai des paires qui commencent à jaunir. Hein. J'espère que c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur qui commencent à jaunir. Wow. On est sur quoi maintenant? On est sur la trilogie donc avec la 9-3. On a la Berlin. Tadam! La masterclass que tout le monde s'arrache. Que personne n'arrive à choper à un prix abordable. Mais c'est la vie. Pour la petite anecdote, même ma fille l'a acheté. Je lui ai offert, elle la voulait. C'est la meilleure, elle a dit. Il y a des couleurs, c'est trop de couleurs dans une seule paire. C'est magique. Je pense que celle-là aussi, elle va prendre une valeur inestimable.
Incroyable. Ça fait toujours un effet, c'est incroyable. Alors pour la petite anecdote, j'ai changé les lacets parce que les lacets originaux, ils étaient un petit peu durs au niveau des... Donc on pouvait plus trop les bouger comme on voulait. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre des lacets secs et puis voilà, ça passe. Nickel. J'espère qu'on va s'en sortir pour les machins. Ouais, les pelles. C'est une des meilleures, celle-là, dans la trilogie. Incroyable. Bah, bientôt, on a fini. On a enfin la Brixton qu'on vous a montré tout à l'heure avec la... Avec la... Bah, avec la Grady. Et je m'étais amusé à mettre un petit mousqueton comme ça. Je trouvais ça très joli. Allez, courage, il en manque plus que deux. Même pas. C'est la dernière à montrer. Et on a fini. On remercie à Ketchup Mayo là. Ah non, il n'y a pas de mayo. Avec des frites. Ketchup frites. Doucement là. C'est pas bien de mettre ces chaussures comme ça. Et je me suis fait un petit kiff. J'ai mis des beaux petits lacets là. Voilà. Mais je crois que dans l'autre... Attendez, je vais vous montrer un petit détail. Ouais, j'ai acheté ça, c'est pas mal aussi. Ça peut remplacer votre lacet OG. Ça peut être sympa. Voilà. Je trouvais ça original. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça se vend chez Nike. Et puis du coup, c'est très lourd, c'est du métal. Je trouve que ça fait bien le rappel OG des lacets. Il manque juste le petit côté rouge et c'est bon. Voilà, une très belle paire qui est sous-cotée. Je comprends pas. La Brixton, voilà, elle s'arrache pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un beau modèle. Avec une simili crocodile là. Je comprends pas. Peut-être qu'avec le temps, les gens changeront d'avis. Là, je pense vous avoir fait kiffer. Hein. Et je voudrais aussi vous montrer un petit coup de cœur que ma femme a acheté et que j'adore. C'est la Dunk Low. Vaudou, voilà, très joli modèle, je pourrais pas vous l'essayer, mais incroyable comme modèle. Très très mignon, très girly, avec plein de petits détails intéressants. Regardez, quand on retourne, on a Vaudou derrière. Les souches sont à l'envers, il y a des trucs qui sont dépareillés, c'est vraiment fun. Hein. Incroyable. Par contre, il y a beaucoup de fakes. Hein. Alors, faut faire très attention. Hein. Même dans ces modèles-là, on a beaucoup de fakes. Bon, bah voilà. Je pense vous avoir fait kiffer. On reviendra pour les dernières aussi que j'ai eues. J'en ai eu quelques-unes qui sont en nettoyage. Et voilà. Donc, 29 minutes, c'est quand même pas mal. On a fait le taf. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah n'hésitez pas à regarder avec des pop-corn la vidéo de 3 heures avec toutes mes sneakers. C'est un régal de partager sa passion. Voilà. Allez, je vous dis à très vite.